Le chauffeur du camion Ben a été déféré ce matin devant le parquet et vient d'être mis en examen par deux magistrats instructeurs, des chefs d'homicide involontaire de 6 personnes et de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 3 mois pour 2 victimes. Devant le magistrat instructeur et assisté d'un avocat, il a fait valoir son droit au silence et n'a pas souhaité faire de déclaration immédiate sur les faits. Le parquet a requis un mandat de dépôt à son encontre. Les magistrats instructeurs n'ont pas souhaité suivre le parquet dans cette voie et ont décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire, qui est valable immédiatement, prévoit un éloignement de la Charente-Maritime avec un hébergement en région parisienne et une interdiction de conduire tout véhicule autre que les véhicules de la catégorie B.